manger, plaisir manger, c'est sous ce slogan que le navigateur Rodolphe Céfaux a signé jeudi 6 septembre un partenariat avec l'Agence régionale de santé. Pour la directrice de la santé publique, ce n'est pas un hasard qu'un tel partenariat soit fait. Faire un partenariat avec un jeune qui va s'adresser aux jeunes, mais pas seulement, puisqu'en fait, il aura une visibilité et donc aussi l'action régionale de l'ARS et donc de ses partenaires en matière de nutrition va pouvoir être largement médiatisée. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rater l'occasion de profiter justement de sa ténacité, donc de sa persévérance, de son audace, puisque tous ces qualificatifs et toutes ces qualités dont il fait preuve sont exactement les valeurs qui sont les nôtres au niveau de l'ARS. Le navigateur qui prendra le départ de la route du Rhum le 4 novembre prochain n'en oublie pas ses engagements pour autant. C'est important pour moi de véhiculer au-delà de mon projet sportif, de faire passer un message qui pourrait toucher l'ensemble de la population guadeloupéenne. Et étant un sportif moi-même et étant touché, puisque la performance pour nous en tant que sportif est directement liée à la nutrition. Donc il était important pour moi de m'associer à l'ARS autour de ce thème plaisir bouger, plaisir manger, pour faire comprendre et pour communiquer un maximum sur le fait qu'une meilleure nutrition pourrait déjà régler pas mal de problèmes de santé et qu'il faudrait tendre aux activités physiques et bien sûr à manger les fruits et légumes produits en Guadeloupe, ce qui permettrait véritablement à tout un chacun de se sentir bien mieux. Un engagement qui continuera bien au-delà de la route du Rhum. Après l'arrivée du bateau, puisque j'aurai donc normalement un peu plus de temps, je serai présent sur certaines conférences de l'ARS, sur aussi les parcours santé qui sont dans les communes pour rencontrer un maximum de public. J'ai aussi beaucoup d'actions avec les scolaires, qui je pense aussi pour moi est très important pour de travailler avec les petits pour les sensibiliser à justement une meilleure nutrition et aussi une meilleure activité physique. Donc voilà toutes ces actions qui tournent autour de ce partenariat.